Écoutez, en tout cas, cette décision de la Cour de cassation qui renvoie vers la justice administrative, seule compétente, valide tous les arrêts de la justice administrative qui, pour l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Donc concrètement, vous l'avez dit, le médecin en charge de ce patient peut à tout moment réengager ce processus qui avait été interrompu, vous vous en souvenez, le 20 mai dernier. Donc si sur le plan judiciaire, on est bien aujourd'hui au bout de tous les recours, eh bien, en revanche, c'est un autre combat qui s'ouvre maintenant pour les parents de Vincent Lambert, notamment au plan politique et dans l'opinion publique, puisque c'est sur ce terrain qu'ils veulent aller. Ils ont annoncé d'ailleurs que Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert, serait lundi à Genève pour s'exprimer devant le comité de l'ONU pour le droit des personnes handicapées. Et les avocats ont également annoncé qu'ils poursuivraient au pénal le médecin de Vincent pour meurtre avec préméditation, une autre façon de maintenir la pression. Merci beaucoup Chloé Triomphe en direct depuis la Cour de cassation à Paris pour Europe 1.